Hey yo tout le monde, c'est aussi. Comment vous dire? En gros, bah YouTube, ça va être compliqué maintenant. J'ai eu la bonne surprise de découvrir que ma 3DS Capture Card, donc celle qui me permet d'enregistrer mes matchs, ne marche plus. Elle est plus reconnue par mon ordinateur, mais bon, elle fonctionne. Vous comprenez quoi, mais voilà, quand je la branche à mon ordi, elle met USB non reconnu, donc voilà, j'essaie un peu de mettre à jour les drivers, de mettre un peu la voilà, de faire un max, et ça n'a pas marché. Écoutez, voilà, je pense que bah, je viens de perdre un petit peu mon outil de travail et de divertissement. Voilà, je sais pas quoi trop dire plus. Je sais pas, je voulais essayer de l'emmener au réparateur. Et bah, je sais pas, je l'ai pas fait. Ça me déprime un peu, je vais pas vous le cacher. C'était une console qui m'avait été donnée, enfin, pardon, vendue, pardon, par Legend Z. Donc voilà, une console qui marchait super bien. Voilà, ça a été ma première console personnelle de cast. Voilà, j'ai fait trop de trucs en fait avec cette console. Voilà, donc je sais pas, franchement ça me déprime. Je sais pas, YouTube en fait c'est bien, genre c'est trop bien, et du coup ça m'empêche de faire une grosse partie des vidéos que j'aimerais faire, parce que je peux plus faire de match, je peux plus faire de live sur des jeux 3DS. Et voilà, écoutez, ça explique un petit peu pourquoi il n'y a pas eu trop de vidéos sur la chaîne. Généralement, j'essaie de prendre un petit peu d'avance quand je peux. C'est-à-dire, dès que je commence à tourner une vidéo, j'essaie d'en faire une ou deux. Quand je fais un match, j'essaie d'en faire un petit peu plus. Et là, vous comprenez que bah, je peux pas vous proposer du contenu. Et ça me déprime un peu. Genre, voilà, écoutez, voilà, la 3DS XL, bah, elle est morte. Et la chaîne, elle est morte. Voilà. Non, je déconne! En fait, bon, la 3DS est vraiment morte. Mais voilà, j'ai appelé Osinor. Et je vous avoue, hier, j'étais pas bien. En fait, j'ai découvert hier que la console était morte. Elle marche plus. Pas reconnue par le PC. C'est horrible. Vraiment. Mais genre, hier, mon gars, genre, ma vie, c'était tellement de la merde! Genre, je branche la console, je fais, allez, on va faire des vidéos et tout, on est grave motivés. USB non reconnu. Bien! On change de câble. USB non reconnu. Putain, genre j'essaye tous les câbles que j'ai chez moi. Impossible. J'allais faire, oh putain, allez, vas-y, je ferme la chaîne. C'est fini. De toute façon, YouTube, c'est de la merde. Les abonnés, ils sont chiants. Et en plus, je gagne pas d'argent. Je peux pas m'acheter 10 voitures par jour. Et non, en vrai, ce que j'avais plus simple, c'est que, genre, dans ma tête, c'était, bah, t'as plus de capture card. Tu fais plus de vidéos, quoi. Genre. Et franchement, j'étais pas bien. Et du coup, j'ai envoyé un message à Osinor, qui était un youtubeur qui a arrêté un petit peu Pokémon pour passer sur Summoner Wars. Je mettrai le lien de son Twitter dans la description et le lien de l'endroit où il stream si vous aimez Summoner Wars. Je crois que il est plutôt hypé et il m'a vendu son ancienne 3DS de capture. Donc, je vous enlève ça, une 3DS de capture pas allemande, américaine. Donc je sais pas si vous voyez un petit peu le truc USB. Elle marche, j'ai testé. Voilà, donc ça a été une certaine somme. Pour ceux qui savent un petit peu le prix des 3DS de capture. Il a été quand même. Il m'a fait un petit geste commercial. Et je vous avoue que sans ça, j'aurais jamais pu me la payer. Je lui ai à ce jour même pas encore reversé le tiers de ce que je lui dois. Parce que je peux pas. Voilà. Voilà, il y a. En gros, je pensais pas dépenser. Une capture card en plus maintenant en fait pour ceux qui me regardent depuis quelques temps, j'ai économisé pour un ordinateur et une grosse partie des économies que j'avais mis de côté pour l'ordinateur viennent de tomber pour un truc que je remplace. Donc voilà, en plus je passe sur une 3DS normale, donc même pas une XL. C'est déprimant, mais en même temps je me dis bah au moins en 24 heures,
Eh ben, j'ai pu réparer mon problème de console. J'ai pas remplacé ma console, mais voilà. J'ai quand même commandé des câbles. Mais je sais pas. Je sais pas pourquoi elle marche pas cette 3DS à la con. Elle est pas tombée. J'en prends vachement soin. Honnêtement, j'en prends vraiment soin. J'ai acheté une coque exprès. Tout le temps que je la range dans le tiroir. Enfin, je sais pas. Comme je vous l'ai dit, c'est un peu. Bah, mon matériel pour faire des vidéos, pour faire des lives, pour m'amuser, pour me divertir avec vous. Et bah, je l'ai perdu quoi. Et du coup, ça m'a vraiment foutu le seum. Je vais pas vous le cacher, j'étais vraiment pas bien. Avant que je sache justement, j'avais cette possibilité de continuer les vidéos avec un autre matériel. Donc voilà, tout ça pour vous dire que bah, toutes les personnes qui regardent mes vidéos, qui m'aident et tout, bah, ça finance. Je vais pas vous dire que je gagne beaucoup d'argent, sinon j'aurais pas été aussi mad. Mais voilà, j'ai pu quand même, grâce aussi à mes connaissances, parce que c'est grâce à YouTube que j'ai connu Osinor, et c'est grâce à YouTube que j'ai pu avoir cette console en fait. Même si sans YouTube on n'aurait pas eu besoin, mais c'est pas très grave. Ce que je veux dire, c'est que voilà, j'ai pu trouver une solution à mon problème. Qui malheureusement m'a coûté cher. Je vais pas vous le cacher. Donc voilà. Ça a été un petit peu gênant. Donc voilà, clairement, je vais remercier bah, les personnes qui m'ont fait des dons à travers mes streams. Voilà. Donc, franchement, je vais pas vous le cacher que c'est surtout avec les dons que je l'ai payé. Le PC, il attendra. Il attendra le temps qu'il faudra. Mais voilà, je peux au moins continuer à faire des vidéos, continuer à faire ce que j'aime. Même si j'en fais moins, je le sais, je suis désolé, mais c'est Pokémon, faut me comprendre. Voilà, je pense que ça va me remotiver, honnêtement. Donc écoutez, voilà, je suis content et je suis vraiment triste en même temps. En fait, c'est comme si. Je sais pas, c'est con de dire ça, tu vois, mais c'est comme si. Bah, je le tournais un peu, tu vois. Genre, je sais pas, c'était ma première console de cast. Genre, je sais pas, je l'aimais bien, tu vois, cette console. Et je sais pas, je sais pas comment elle arrivait. New Prince a eu des problèmes avec sa console japonaise, je me souviens, et c'était impossible d'avoir le service après-vente. Il lui répondait pas, il lui répondait des messages automatiques. Donc voilà, la faire réparer, j'en rêve, honnêtement, mais c'est compliqué. Je vais quand même tester avec des nouveaux câbles, même si je pense honnêtement qu'il y a peut-être un problème, je sais pas moi, un faux contact, etc. Voilà, écoutez, c'est tout, hein. C'est tout, c'est tout. Parce que voilà, donc pour vous ça changera rien. Pour moi ça change un petit peu des choses, je vais pas vous le cacher. Je te retrouve avec un matériel un petit peu en trop, qui te coûte quand même une grosse somme d'argent. Et voilà, je vais essayer de faire un max de vidéos histoire de rentabiliser. Hein, YouTube Money, tout ça, pas du tout. Je vais vraiment essayer de continuer la chaîne maintenant. J'espère vraiment que la console va pas me lâcher et que je suis pas maudit. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Vraiment, 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 vraiment. Je sais pas, je fais ça pour moi, mais je fais aussi ça pour vous. Je vais pas vous le cacher, si j'avais pas une chaîne de presque 25 000 abonnés. Bah, ma capture card elle serait morte. J'aurais jamais fait l'effort financier d'en acheter une. Ça coûte de l'argent. Ça coûte vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'argent. Il suffit d'aller sur un site comme Katsukichi, le site japonais, ou Merki. Vous allez voir tout de suite les prix astronomiques et l'attente qu'il aurait pu avoir. Je pense que si Osinor n'avait pas été là, j'aurais été vraiment très, très mal. J'aurais été vraiment très, très, très mal. Puisque les gens qui commandent des 3DS de capture, bah, ils douillent leur mère. Ils ont 6 mois d'attente, je crois, pour Alouette. Et Merki va bientôt réouvrir son stock, mais ça aurait été qu'en mai, donc ça veut dire que j'aurais passé un mois, 2 mois assez catastrophique. Donc je remercie vraiment Ginor et je remercie toutes les personnes qui ont pu bah, m'accompagner sur Twitch pour me faire des dons. Pour le coup, je vous dis toujours que les dons ça sert à rien. Enfin, c'est pas obligatoire, vraiment ça n'a jamais été obligatoire. De toute façon, tous les youtubeurs vous le diront. Mais vraiment, vous prouvez que pour le coup, cet argent. Je le mets pas dans la coque et les putes quoi. Là, cet argent, il allait directement dans la 3DS et j'espère vraiment au plus vite pouvoir le rembourser, le poteau Osinor. Donc voilà, c'était Cisayuxi.
Voilà, je vais avoir quand même besoin d'un peu de temps, puisque bah, c'était hier en fait. Donc pour ça, le début de la vidéo, franchement, je bats parce que je bats toujours. C'est juste, je relativise en me disant, voilà, au moins t'as une nouvelle console, t'as moins de thunes, beaucoup moins de thunes, mais t'as ta nouvelle console. Bah écoute, voilà, je fonce, tu vois, je vais pas m'apitoyer plus longtemps sur le sort. C'est voilà, c'est juste, ça me tombe encore dessus. Je pense que bah, dans 3-4 jours, on n'y repensera plus. Mais je vais pas vous cacher qu'au fond de moi, il y a toujours un petit espoir que ce soit les 5 câbles que j'ai chez moi qui déconnent et qu'en fait, que ce soit les 5 câbles qui déconnent et pas la console, même si je ne vais pas vous le cacher, j'y crois pas trop. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée. Et écoutez, on se revoit pour des matchs, pour du Pokken que je commence un petit peu à maîtriser. Et voilà, pour un prochain live, j'ai vraiment trop envie de refaire un live. Et voilà les potes, je vous fais plein de gros bisous et merci d'être là.